They have risen once again from all over the earth. They have invaded every corner of our beloved television programs. They have lurched like maggots over the dead body of our pride and dignity. They have annihilated everything that made us human beings. Love, sympathy, equity, and solidarity. And they have replaced them with hatred, contempt, sexism, racism, and greed. Lo and behold, as Echo had foretold and Orwell before him, the new fascists have a room in every house, a plate at every table, and they are here to eat your meal. They'll be at ease this winter at your family's table. Beware the invaders from the far right! L'invasion. Que ce soit des aliens, des morts-vivants, des nations étrangères, des robots, des cambrioleuses, toi comme moi, on a des images en tête, des personnages, des intrigues, des lieux, des voix et des accents, des attitudes, des intentions qui nous viennent à l'esprit. Aujourd'hui, on parle intrusion, attaque, irruption, occupation, incursion, envahissement. Ça ne t'est jamais arrivé de trouver bizarre qu'il y ait étrange dans étranger ? Qu'aliénus en latin c'est l'autre, mais que alien c'est aussi l'étranger en anglais ? Pourquoi les envahisseurs, ça évoque des extraterrestres ? Pourquoi nos films d'horreur regorgent d'intrus, d'indésirables, de parasites en tout genre ? On voit ça aujourd'hui dans Idéopop. Il faut remonter au moins à 1870 et la guerre franco-prussienne, au terme de laquelle la France vaincue est envahie par l'armée de Bismarck et la commune de Paris écrasée dans le sang par les troupes d'Adolphe Thiers, mais ça, tout le monde s'en fout. Cette guerre marque les esprits du temps, et à partir de ce moment-là, fleurissent dans plusieurs pays, mais surtout au Royaume-Uni, un certain type de fiction spéculative, la littérature d'invasion. En gros, on écrit des romans de science-fiction où on imagine ce qui se passerait si tel ou tel pays était envahi militairement par tel autre. Alors on a tout et son contraire. En 1871, The Battle of Dorking est rédigé par un officier britannique qui met en scène l'invasion du Royaume-Uni par l'Allemagne, au terme de laquelle l'Empire se délite puisque le Canada et les Caraïbes sont cédés aux États-Unis, tandis que l'Australie, l'Inde et l'Irlande obtiennent leur indépendance. Ce que l'auteur Josh Chesney met en exergue, c'est le danger de la démilitarisation et du désarmement. Yep. En 1894, William Le Queux écrit The Great War in England in 1997, où c'est la France et la Russie qui envahissent la Grande-Bretagne, qui est cette fois alliée avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne annexe l'Algérie et une part de la Russie, tandis que l'Allemagne rajoute une bonne partie de la France à ce qu'elle avait déjà. 4 ans avant la crise de Fashoda, on peut palper l'ambiance diplomatique de l'époque. Et ce thème ne ramollit pas pendant les 44 ans qui vont le mener à la Première Guerre mondiale. Coïncidence ! Il ne mollit pas, mais il va subir quelques mutations. L'une assez anecdotique, mais qui en dit long sur l'atmosphère explosive de l'époque, c'est le roman Hartman the Anarchist, écrit par Douglas Fawcett en 1893, où les hauts lieux politiques de Londres sont réduits en cendres par un cuirassé aérien totalement steampunk, le bien nommé Attila, qui fait feu roulant sur la capitale depuis les nuages. Ce joyau de technologie, premier vaisseau volant de l'histoire en 1920, est piloté par l'infâme Rudolf Hartmann, un anarchiste, donc évidemment avec un nom pas très anglais, qui mixe propagande par le fait et vengeance céleste. L'autre mutation du thème, c'est évidemment La Guerre des Mondes d'H.G. Wells, publié en série à partir de 1897. L'auteur a alors 32 ans et a déjà écrit les œuvres qui nous l'ont depuis rendu célèbre, La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau, L'homme invisible. Mais cette fois, il a l'idée toute bête de remplacer les Allemands ou les Français par des Martiens. Alors ça ne vient pas de nulle part du tout. Wells était d'une trempe de socialiste un peu chelou qui était ultra-étatiste, désirait dès 1900 un gouvernement mondial. En 1940, il parle même de nouvel ordre mondial. Coïncidence ! Et c'était un défenseur convaincu de l'eugénisme, d'où les Morlocks dans La machine à voyager dans le temps. Et il était tout à fait raciste, quoique internationaliste ou du moins antinationaliste, d'où l'idée du gouvernement mondial. Cela dit, il remplira assez de cases dans son bingo fasciste pour être pro-nazi dans les années 30. Yes ! Bref, donc en 1897, on a une nouvelle saveur à l'invasion. Pas que l'invasion extranationale s'essouffle, elle a encore malheureusement de beaux jours devant elle, mais la SF compte désormais parmi ses rangs le nouveau sous-genre des Invaders from Beyond. Le récit SF de l'invasion extraterrestre est donc profondément enraciné dans le politique. C'est comme si à l'époque de constitution ou de consolidation des empires coloniaux, les grandes puissances impérialistes européennes n'avaient plus qu'une peur, leur propre destruction, là où elles étaient le plus vulnérables finalement sur leur propre territoire national. Le thème est adapté à la radio et au cinéma à partir de 1938, et se profile déjà ce qui devait arriver
Donc ça, par exemple, c'est Ming l'Impitoyable, qui porte un nom évidemment martien, avec des traits qui avaient déjà été fixés en 1932 avec le docteur Fu Manchu, donc là, pas de doute, on est dans un pur cas de péril jaune, et ça mérite une voire plusieurs vidéos, donc j'en parlerai pas plus, si ce n'est... Bleh. C'est surtout les années 50 qui vont cumuler les films d'invasion extraterrestre sur fond de statu quo nucléaire, et après la deuxième plus grosse guerre en moins de 40 ans, et déjà à ce moment-là, on a deux façons de représenter la chose. Soit on évite de peu la destruction, dans The Day the Earth Stood Still, l'extraterrestre Klaatu donne un ultimatum à la Terre. Your choice is simple. Join us and live in peace, or pursue your present course and face obliteration. Donc dans ce cas-là, l'invasion extraterrestre est un prétexte à un message de paix universel. Soit, et c'est la guerre, la vraie, avec une lutte acharnée d'où les êtres humains doivent sortir vainqueurs malgré quelques destructions atroces. À l'époque de la course à l'armement, c'est donc un tout autre message, ce sera toujours la supériorité technologique qui l'emportera dans une guerre, donc autant tout faire pour y accéder. Le film Arrival de 2016 rassemble d'ailleurs ces deux situations, puisque dans un premier temps, l'invasion rapproche les nations, jusqu'au moment où elles se disent que les extraterrestres vont peut-être leur offrir une arme ou un avantage technologique, et là, on frôle l'incident diplomatique. Dans les décennies suivantes, les films d'invasion extraterrestre deviennent de plus en plus mineurs dans le genre de la science-fiction. Alors que dans les années 50, un film sur 14 films de SF mettait en scène une invasion, il n'y en a plus qu'un sur 50 à partir des années 80. Mais ce qui devient de plus en plus fréquent, ce sont les films d'invasion à gros budget, où il y a une réelle confrontation militaire entre les aliens et les êtres humains. Dans les années 50, 60, 70, on a souvent une ou quelques figures principales qui représentent l'invasion et qui tirent avec leur petit pistolet laser. Mais à partir des années 80-90, et il se trouve que c'est la fin de la guerre froide, on a de plus en plus de films qui sont des films de guerre. Et qui dit guerre dit Department of Defense, et surtout Military Entertainment Complex. Le complexe militaro-divertissement. On dirait un titre de docu conspi chelou, mais en fait pas du tout. C'est le nom qu'on donne à la coopération entre le département de la défense des États-Unis, DOD, et l'industrie du divertissement. En fait, ça fait longtemps que ça existe. L'armée américaine prête déjà assistance en 1915 à la réalisation du film nationaliste et raciste Birth of a Nation de D.W. Griffith. En 1948, un Motion Picture Production Office est créé pour assurer la liaison entre le département de la défense et Hollywood. Et puis depuis, ça s'est étendu aux infos, aux sports, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux... Ouais, c'est... de la propagande, quoi. Mais c'est pas non plus de la censure. Donc en gros, soit le bureau valide le scénar et donne son aide en termes de matos et tout, soit, bah non, et du coup, il donne rien. A titre d'exemple, le bureau n'a pas validé Apocalypse Now et La Nuit du Chasseur, donc il a fallu se démerder, mais a totalement bossé sur Top Gun où il faut sauver le soldat Ryan. Côté prod, c'est du matériel et des conseils. Côté défense, c'est des placements de produits et de la publicité pour recruter. Alors par parenthèse, l'équivalent en France, c'est la Mission Cinéma, qui officialise un partenariat encadré entre le ministère de l'Armée et l'industrie du cinéma. Ça fait depuis les années 30 qu'il arrivait que le cinéma serve la propagande militaire en France, mais à partir de 2017, l'État français va passer commande. Quelques exemples. Bref, et donc en ce qui nous concerne, il y a pas mal de films d'invasion à partir des années 90 qui sont faits en collaboration avec la défense américaine. Armageddon, Battle Los Angeles, Battleship, Invaders from Mars, Mac and Me, Godzilla, The Invasion, qui adapte Body Snatchers pour la quatrième fois, The Day the Earth Stood Still, mais un autre, tous les Transformers, puis en fait tous les Michael Bay en général. À ce propos, je vous renvoie à la vidéo du Pop Culture Détective. Et globalement dans ces films, mais aussi dans ceux auxquels le DOD n'a pas participé, du moins à ma connaissance, on sent un sentiment d'honneur national, de patriotisme, comme avec Independence Day, dont le titre bah, est juste la fête nationale américaine, ou Edge of Tomorrow, qui a beau mettre en scène un supra-gouvernement mondial du turfu, bah, on se croirait juste dans les États-Unis du monde. My fellow Earthicans. Aussi, on est souvent dans des situations catastrophiques, où l'espoir est en train de sombrer. C'est bien sûr le cas dans La Guerre des Mondes de Spielberg, où les militaires sont un peu la figure rassurante qui encadre, ce qui reflète pas mal cette idée libérale tellement états-unienne que l'État ne devrait intervenir que par ses armes régaliennes, notamment police et armée, et qui explique ce paradoxe où l'un des pays les plus libéraux du monde met finalement un pognon de dingue dans des institutions étatiques. Du reste, je suppose qu'un ennemi aussi ultimement terrifiant que l'extraterrestre, qui n'a pas notre visage, voire qui n'en a pas du tout, c'est plutôt en accord avec la doctrine de la War on Terror, où toute guerre et tout moyen sont justifiés du moment qu'ils sont mobilisés contre la terreur avec une majuscule. Un film d'invasion qui évoque bien les heures sombres de l'administration Bush-fils, c'est The Mist de 2007. Dans ce film, un groupe d'habitantes d'une petite bourgade paumée doivent se retrancher dans un supermarché quand ils découvrent qu'une mystérieuse brume est en train de recouvrir la ville. Il n'y a aucune certitude au départ, mais cet épais écran de fumée semble attaquer les gens. Tout le nœud de l'intrigue tourne autour de la survie et, comme les lignes téléphoniques sont HS, de l'organisation collective en dehors de l'intervention de l'État. Et le magasin va se transformer en un microcosme politique où vont se jouer des luttes de pouvoir sur le terrain du débat. Des camps vont se former, d'abord un camp sceptique et rationnel emmené par un grand avocat de la ville, Brent Norton, qui va mal finir. Un camp de fanatiques religieux qui suivent Mrs. Carmody, une bigote un peu marginale que tout le monde méprisait d'habitude, mais dont les prédictions inspirées de l'apocalypse de Jean semblent donner un sens à la situation. Et enfin, le groupe des protagonistes, emmené par David Drayton, qui n'ont aucune certitude,
ne sont ni sceptiques ni fantasques et craignent l'inévitable montée en puissance de ce que les personnages comparent à la secte suicidaire de James Jones. Alors attention, spoiler livresque. Si le film était raccourci de genre une vingtaine de minutes, ça se finirait comme la nouvelle de Stephen King dont il est inspiré, et on verrait David en route pour un avenir incertain, mais avec l'espoir de trouver un abri pour lui et son fils. Parce que parmi tous les personnages, David et son groupe représentent la voie de l'individualisme un peu misanthrope, où la survie de la famille prime sur celle du groupe, et où le collectif rime avec chaos du fait de la nature cruelle et querelleuse des êtres humains. Cette vision pessimiste de l'humanité, c'est un peu celle de Stephen King. Alors oui, je sais que j'ai introduit ma série Idéopop en parlant de Barthe et de la mort de l'auteur, et ben aujourd'hui je vais le ressusciter sous vos yeux ébahis. George Beam l'explique bien dans son guide de Stephen King. King, qui se délecte de placer des gens ordinaires dans des situations extraordinaires, sait qu'un environnement sous pression est un moyen idéal de faire craquer le fin vernis de la civilisation et de révéler la vraie nature des gens, laquelle est parfois bonne, parfois moins bonne. Pour moi, la nouvelle de Stephen King et sa fin reflètent une vision doublement libérale. 1. La majorité est médiocre et doit être fuie ou détruite si on ne peut plus en tirer profit. 2. L'État est la source de nos problèmes, avec le projet Arrowhead mené par l'armée qui ouvre une porte dimensionnelle et lâche les créatures préhistoriques sur la Terre, et on ne doit pas attendre son secours. Attention aux spoilers filmiques. Dans les 20 dernières minutes du film, l'intrigue prend un virage inattendu et terrible. Au fond du désespoir, qui s'est évaporé comme le gasoil dans le réservoir du 4x4, David en arrive à proposer un suicide collectif qui ne rencontre aucune résistance. Le seul problème étant qu'il lui manque une balle, et va donc devoir tuer tout le monde et survivre seul à cette ultime horreur. Et au moment où il sort de la voiture pour affronter les créatures et ainsi mourir à son tour, il fait face à un gigantesque cortège de blindés de l'armée, ainsi que des camions transportant des survivantes et survivants, parmi lesquels la femme qui était sortie la première pour rejoindre ses enfants. Cette fin tragique pour le protagoniste est excellente, parce qu'elle n'a pas de morale. La femme dont on s'est vite désintéressé au début, que les autres gens ont abandonné à une mort certaine, a survécu, on ne sait comment, et ses enfants aussi. A l'inverse, David, qu'on suit tout du long, fort de son autodétermination de héros hollywoodien, échoue, puisqu'il en vient à tuer lui-même le fils qu'il tenait par-dessus tout à protéger. Pas de place pour le libre arbitre si cher à la pensée libérale. Pire que ça, l'État et son armée, qui sont à l'origine de la fin du monde, figure diabolique pour Mrs. Carmody, sont aussi le Deus ex machina qui sauve ce qui reste d'humanité. Et il y a là une sorte de vérité froide et cynique. Globalement, seul un État peut mettre fin au cataclysme déchaîné par un État ou toute autre puissance équivalente. Et l'invasion que The Mist met en scène, c'est une guerre asymétrique. Les monstruosités de plus en plus gigantesques qui attaquent ne donnent aucune chance à une pauvre supérette et sa façade en verre au milieu de la brume opaque. Les personnages peuvent bien se rassurer en empilant des sacs de terreau comme des sacs de sable et trouver des armes de fortune, la puissance qui leur fait face est incomparablement démesurée. Et surtout, malgré leurs projecteurs et leurs vitrines géantes, personne ne peut savoir ce qu'il y a en face. Le film place finalement des civils américains dans la situation que leur armée a infligée aux civils du Moyen-Orient. On le ressent quand on lit ce témoignage recueilli à Islamabad en 2012. Nous ne savions pas que l'Amérique existait. Nous ne connaissions pas sa situation géographique, comment fonctionnait son gouvernement, quel genre de gouvernement c'était jusqu'à ce que l'Amérique envahisse l'Irak et l'Afghanistan. À présent, nous nous attendons à une frappe de drone à chaque instant et nous savons que ça va arriver et que c'est certain. Et nous sommes là à attendre. Nous ne savons rien. Nous vivons seulement dans une peur constante. Et c'est donc d'autant plus terrible, amer, de voir à la fin du film les militaires mettre fin à ce calvaire. Et contrairement aux films à grand budget spectaculaire à la Guerre des Mondes, Independence Day et Edge of Tomorrow, la guerre et l'armée ne sont pas du tout glorifiés. Les soldats retranchés dans le supermarché montrent le paradoxe qui est le leur. C'est eux qui amènent la destruction sur leurs congénères, et tout héros qu'ils sont, ils ne peuvent pas l'oublier. Le fait qu'ils se suicident en constatant le mal qu'ils ont causé est un peu un exorcisme du patriotisme américain depuis les révélations sur Abu Ghraib. Et à la fin, les soldats n'ont pas de visage. Ils sont tous masqués, brûlant tout sur leur passage, ce qui n'est pas forcément l'image idéale qu'on se fait d'un sauveur de l'humanité.